Salut tout le monde, c'est Spline05 et aujourd'hui je fais le sixième épisode de Dans les yeux de Spline. Alors, c'est quoi qui change? Il y a eu des petits changements. C'est que ma map, j'ai eu des problèmes avec la map parce que dans les autres parties. Donc en fait, en plus j'ai téléchargé un mode, donc là je suis en train de le tester. Je crois que je vais faire toutes mes vidéos sur ce mode là dorénavant. Alors maintenant. En fait, c'est un mode où ce que bon, vous savez tout ce que dans Minecraft, vous pouvez créer, enfin générer des mondes, des maps. Où ce que oh putain, casse-toi, bâtard, creeper. Casse-toi, casse-toi, putain. Où ce que vous pouvez créer une map en mode alors soit avec des structures, des montagnes, des villes, des trucs comme ça, ou soit des mondes plats. Et bah moi en fait j'ai juste téléchargé un mode que je mettrai sûrement dans la description pour pouvoir télécharger. En fait ce mode là, bon je vais vous l'expliquer, je sais que je galère à expliquer, mais bon. En gros, vous pouvez créer une vous créez une map, et cette map là elle aura des structures, elle aura tout pareil qu'une map avec des montagnes, sauf qu'elle sera toute plate. Et sur les maps plates normalement on peut avoir que 6 carrés de profondeur, enfin 5-6 cubes de profondeur, et là en fait vous pouvez avoir à l'infini, enfin à l'infini comme une map normale quoi, puisqu'en fait vous avez tout d'une map normale sauf que vous avez aucune montagne. En fait les montagnes ont été aplaties quoi. Et moi je trouve ça super bien, puisque pour ceux qui veulent se faire une survie sur une map plate. Et bon, en fait je pense que je vais faire mes épisodes et ma survie sur une map plate, puisque je ne bug pas et j'ai toutes les ressources que si j'avais une map avec des montagnes, des choses comme ça. Alors en fait pourquoi j'ai changé de map aussi, c'est parce que je ne bug plus, je bug pas sur les je bug sur Minecraft au bout de 10 minutes, vous avez pu le remarquer pour ceux qui regardent mes vidéos. Sinon si vous les regardez pas, je vous invite à aller voir mes vidéos Dans les yeux de Spline, partie 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant bah, la 6 qui est en train de... que je filme, je galère toujours. Et parce que bah vu que je ne bug... c'est quoi ça? Vu que je bug pas, et bah... je me suis dit bah pourquoi je ferais pas une vidéo là-dessus. Alors... ah ouais, en fait ça surplombe le cet endroit. Bon, je vais essayer de trouver un village PNJ pour me faire une maison. Parce que vu que moi en fait avant je jouais en mode création sur des maps assez enfin des maps plates ou des maps normales, mais que j'étais plus un architecte, on va dire ça comme ça. Et non pas un joueur Minecraft en survie. Je connais très... enfin, c'est rare les fois où j'ai fait de la survie. C'est pour ça que je fais ma vidéo. Donc je vais essayer de trouver la sortie de ma grotte. Je prends quand même une épée parce que ça regorge de bestioles à la con ici. Et j'aimerais bien pouvoir sortir. C'est quoi ça, il y a un champion? Et voilà, bon en fait là je suis perdu. Ouah, trop beau. La lave. Je sais pas pourquoi, je pense qu'avec le cul que j'ai moi, je vais crever. Putain. Ah Bandai, crève, bâtard. Enchaîne mes couilles, crève squeletton. Putain. Bon bah voilà, en fait je viens d'avoir perdu tous mes équipements. Et tout ça, pourquoi? Pour rien. Bon. Alors je vais essayer de trouver un village PNJ. Ouais, bon, sans me faire péter la gueule par un creeper, ce sera sympa. Mais non, mais je veux pas les zoom. Comme vous pouvez le constater. Ma map est toute plate, hein. il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de début de montagne, il n'y a pas de vallée, c'est tout plat. Il y a des arbres, des trous, des grottes, et voilà. En fait, c'est tout d'une map normale, des donjons, il y a tout, sauf que bah, c'est pas...
il n'y a pas de montagne. Et ça, je trouve ça mieux déjà dedans parce que je ne bug plus. Et qu'en plus, je trouve que... Attends, je vais courir, je vais faire un petit sprint. Et qu'en plus, bah... on se perd sûrement moins dit ah cool, donc j'ai formé ça là. On se perd sûrement moins difficilement que sur une map avec des montagnes. En quoi qu'avec des montagnes on peut repérer alors que là voilà. Bon, moi je prends toujours la même sorte de maison ici. Ça j'aime pas les maisons en cube. Cette petite chapelle, ça c'est moche. Ça c'est une maison pour les plus. Casse-toi toi. C'est quoi cette maison? Non. Ah oui, si vous voulez mon pack de texture, vous pouvez le retrouver dans ma pro. Mais genre il y a une deuxième porte. Ah oui. Vous pouvez retrouver mon pack de texture dans la première vidéo dans les yeux de Splin partie 1. Ouais bon, en fait. Je vais essayer de me trouver une baraque et de me crafter un lit. Il me faut du mouton. Donne-moi ça. Ouais, pareil, j'ai pas de bois, chaud. Alors, une fois que là on est déjà à 7 minutes, je vais pas tarder à quitter la vidéo, enfin arrêter ma vidéo pour la poster sur net. je pense que dans la partie 7, j'aurais fait des constructions. Bien évidemment, sans cheat. Ou avec cheat, je sais pas, je vais voir. Non, 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 casse-toi. Casse-toi, creeper. Casse-toi. Je suis mort une fois, pas deux. Dégage. Ouais, j'ai mis une pilule. Bon. C'est peut-être à moi qui regarde mes vidéos qui disent que je suis très... Comment? Ah, putain, là, là. Très vulgaire avec les creepers, les trucs comme ça. Là. Donc, je vais essayer de moins dire de gros mots. Quand je me fais péter par un creeper, oh, j'ai mis sa race. Oh, c'est pour ça aussi que j'aime pas le mode survie. Donc je me dis casse-toi toi, j'ai une barre. C'est quoi ça? Tu peux pas me faire une maison monsieur ici? Non. C'est pour ça que j'aime pas trop le mode survie. Faut vraiment survivre quoi. De toute façon je vais me foutre dans la fenêtre, j'ai crevé je pense. Ouais. Non je vais pas me mettre là, c'est pas une bonne idée. Oh c'est ça une... Bon. Je suis un kikoulol du 27. Aïe aïe aïe, en plus je vais crever, j'ai rien. Bon casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Quoi? Pourquoi j'ai pas récupéré le bloc là? Putain, bon. Je vais pas passer ma nuit à rester là, à rien foutre. En espérant que je peux le casser ce bloc là. Pour le récupérer. Ah ouais d'accord, en fait il me faut une pioche. Donc là j'ai été dans ce trou pour rien. Ah je suis dégoûté, il y a... Bon attends. C'est quoi ça? Casse-toi. Péon les couilles. Oh s'il te plaît, me fais pas mourir. C'était sympa avec moi là, tu me fais pas crever. Bon, mon village, il s'est barré. Je suis comme un gros cassos en plein milieu de la nuit. Et j'ai rien pour me protéger. Bon, j'ai bien mes commandes. Mais bon, je vais pas faire des commandes, quoi. Ça fait un petit peu shit. Donc, bon. C'est vraiment un épisode de merde.
Voilà, mouton. Eh, hey, où il est? Tu peux rien faire contre lui, mec. Voilà. Va chercher monsieur Seguin, là, je t'enculé. Allez, crève. Crève. Hein, en fait, j'ai pas besoin de récupérer la laine, ils ont peur tout seul. 3. Alors, un truc aussi qui est mal fait dans Minecraft, je pense, c'est les arbres. On pète le bas des arbres. Mais non, ils restent en l'air, ils volent. C'est un petit peu mal fait, je trouve. C'est pour ça que moi, j'étais... C'est pour ça que moi j'ai téléchargé le mode parce que dès qu'on a une hache et qu'on pète le bas, t'as tout qui tombe. C'est parce que je sais pas, dans la vraie vie, tu casses, tu défonces un arbre, je sais pas, t'as tout qui tombe d'un coup quoi. Mais non, là, dans Minecraft, c'est comme ça. Tu casses le bas, mais non, ça ne tombe pas. C'est Minecraft. Alors. Bon, alors, ah oui aussi, bon, un petit mot sur Minecraft, hein. Moi j'aime bien, c'est vrai que là je joue en version craquée, c'est pas très très légal. Mais bon, je me dis, ouais, au départ je me suis dit, je vais pas m'acheter Minecraft payant, Premium. Imaginons que j'aime pas, je vais avoir dépensé 20€ pour rien. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien que Minecraft, en fait, ils font une... Parce que vu que je joue à Warcraft... devrait s'inspirer de ça en fait, de faire exactement pareil quoi, de faire une bêta, enfin pas une bêta mais une démonstration du jeu où ce que dedans on pourra faire je sais pas, on va dire dans une bêta est-ce qu'on peut jouer, je sais pas, 20 jours on joue 20 jours puis voilà quoi, alors que là c'est d'office, on n'a pas essayé, hop, on est obligé d'acheter. Et si on n'achète pas, on peut pas... Si on n'achète pas le jeu, on ne peut pas... on peut pas jouer, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Il devrait faire une version de test pour les joueurs, pour pouvoir que les joueurs testent le jeu. C'est un petit peu dommage. Parce que, bon... Voilà, je sais pas, le mec, il sait pas... Il sait pas c'est quoi. Il se dit, ouais, bon, je vais acheter Minecraft, mais je sais pas c'est quoi, si ça me plaît pas. J'ai perdu 20€. Si ça me plaît, j'ai gagné 20€. Donc c'est pour ça que je leur demande de faire une version test. C'est pour ça que moi je joue en version craquée et qu'il y a plein de joueurs qui sont comme moi qui jouent en version craquée puisque je ne pense pas qu'ils vont acheter la version payante comme ça alors qu'ils n'ont jamais testé Minecraft. Bon, sur ce, c'était Spline05 et je vais pas appeler mon épisode. Enfin, c'est que je vais l'appeler dans les yeux de Spline. Mais là, c'est surtout l'épisode dans les yeux de Spline qui galère et qui se fait buter par les putains de creepers de merde. Voilà, à bientôt. Et pensez à vous abonner. Et si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, pareil. Et à regarder mes vidéos dans les yeux de Spline, partie 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant 6. À bientôt.